Merci. Tu vois, des fois, il faut juste commencer les vidéos en disant merci. Ce matin, je regardais mon nombre d'abonnés, tu vois. Tu vois, je le vois évoluer tous les jours, tu vois. Mais des fois, il faut se poser, arrêter le temps et savourer. Parce que c'est un truc de malade, là. Donc là, pour vous remercier, j'ai préparé une vidéo, mais spécialement pour vous, en fait. Cette vidéo, elle est cadeau, elle est à vous. Donc commencez à la liker, la partager, la commenter. Donc dans cette vidéo, je vais parler des différentes situations que j'ai connues avec les abonnés. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me fais toujours un peu tailler par mes potes, par mes amis d'enfance, tu vois. Qui disent que ouais, mes abonnés ils sont grave jeunes, ils sont à la maternelle, ils sont à la crèche. Dans mes meet-up, on dirait la récréation, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi des abonnés âgés. Donc vous là, mes potes là, niquez-vous un peu, puisque un jour, ce qui va se passer, c'est ça. Et hier, il y avait une soirée, il n'y avait que des baddies. Il y avait des femmes à gogo. Et moi, j'ai pris mon. Et je te parle. Faut que t'arrêtes de parler des abonnés de 10 ans, frère. Non, mais ils sont. Arrête, tu sais, la dernière fois, t'as fait un meet-up, il n'y avait que des collégiens. Il y a même un gamin qui avait 4 ans. Faut que t'arrêtes aussi. Tu n'as jamais attiré de femmes. Des fois, ils sont âgés. Moi, ouais, Junior TV. Oh, mais j'adore ce que tu fais. Je t'adore. Ah, t'inquiète. Oh, je t'aime trop. Oh là là, je veux prendre une photo avec toi. Ouais, super. Vas-y. Voilà, merci beaucoup. Franchement, je t'adore. C'est génial de nous faire ensemble. Allez, au revoir. À la prochaine. Ouais. Waouh. Là, mais j'ai commencé la vidéo YouTube tout de suite. Les parodies, bro, ça s'appelle. Je vais arrêter en fait, comme t'as dit. Non, on collabore ensemble. Non, je vais suivre ton conseil. On fait une vidéo, d'accord. Enfin, non, mais je vais suivre ton conseil, je pense. Parce que... Mais non, non, n'arrête pas tout. Non. Et lorsque ce moment arrivera, il sera trop tard. Parce que je sais très bien que dans mes abonnés, il y a des badges, il y a des post-bad, il y a des mannequins. Bah après, en vrai, il n'y a aucun problème. Puisque du moment que tu comprends mes blagues, on se tape des bars, etc., il n'y a aucun problème. Je m'en bats les couilles, ton âge, que t'es 2 ans ou 40 ans, je m'en bats les. Voilà. C'est pas ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de mes abonnés, j'ai remarqué en fait qu'ils sont super agités. Genre quand ils me voient, limite c'est une balayette, comme ça je bouge pas. Comme ça ils sont en train de prendre la photo, et après ils se barrent, tu vois. Un jour, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais en train de marcher tranquillement dans la rue, j'avais mes écouteurs, j'écoutais de la musique, Baden Bougie en plus au calme. Maintenant je vois, on m'attrape le bras, on m'enlève les écouteurs, limite on me les arrache. Je me retourne, je vois c'est une meuf de 13-14 ans. J'ai cru que vous les stab, mais en fait elle a demandé une photo. J'ai fait, c'est quoi ce délire? C'est tu joues à quoi là? Heureusement que les écouteurs ils étaient pas cassés, tu vois. Mais maintenant, imagine, il se passe ça. Putain, j'ai oublié la paille, je suis con ou quoi? Vas-y, c'est pas grave. Génial! Oh, ça va, ça va? Je vais avoir une bonne avec toi, s'il te plaît. Oh, merci, franchement, j'adore ce que tu fais. Je t'aime beaucoup. Voilà, ça aurait été chaud parce que tu vois, c'est du Fanta. Même si c'est le Fanta, il est noir, tu vois, ça fait qu'un. Alors ensuite, il y a les abonnés qui retournent leur veste en fait. Moi, ce qui m'est arrivé en fait, c'est quoi? C'est que j'étais dans le train, je rentrais de Paris, j'étais complètement KO. Journée de tournage de 10h à 20h. Je suis là, je suis KO, debout toute la journée. Je rentre dans le train, je suis KO, je dors dans le train. Enfin, je dors, je suis assis quoi. Et maintenant, il y a un abonné qui me prend en photo pendant que je dors, tu vois. Ça se fait pas. Tu vois, même si, enfin, je sais pas, t'as un abonné, tu vois, tu fais pas ça. Après, par contre, voilà, si c'est un petit truc gentil, par exemple, je me gratte les couilles en public, là, tu peux, là, tu vois. Et après, ce qui est bien aussi, c'est les abonnés en fait. Là, ils sont pas là, tu vois. Lorsque je fais un snap, il y a des abonnés, ils viennent direct. Ils sont très très vifs. La dernière fois, j'ai fait un tournage à côté d'un centre commercial qui s'appelle le Carré Snap. On a à peine snappé, hein. On a snappé, voilà, un tout petit peu, tu vois. 40 minutes après, on était plus de 20 autour là. Autour du tournage, on était 20. On leur a dit, vous venez d'où? Ils disent tous, snap, snap, snap. Ils étaient là, ils étaient tout contents et tout. Tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Mais moi, en fait, j'aimerais que ça arrive, surtout dans ces moments-là, tu vois. À la rue des Vagues, ok? À
Excuse-moi, c'est Junior TV? Ouais, c'est moi. Je prends une photo, s'il te plaît. Ouais, vas-y, prends une photo avec ton youtubeur préféré. Merci. Attends, quoi? Ok, si. Ouais, donc du coup, t'aimes quoi sur ma chaîne? J'aime bien ta créativité, ton, ouais. Le message que tu veux transmettre. Parle plus fort, s'il te plaît, j'entends mal. La créativité, les messages que tu veux transmettre à tes abonnés. Ouais. Voilà. C'est bon, dégage, dégage. Par contre, juste un petit truc à te dire. Ouais. Il y a des vidéos, des fois, tu vois, c'est un peu putaclic. J'aime pas trop, par contre. Ça, je valide pas. Non, en fait. Faut arrêter les putaclic, hein. Attends, non. Attends, je viens d'avoir une idée là. C'est ce qu'on va faire, on va conclure un pack. Quand je vais dire meet-up improvisé, ça veut dire qu'il y a une meuf archi fraîche, tu vois. Donc si tu reconnais les lieux dans le snap et que t'habites à côté, tu viens et tu fais genre ouais, si, si, tu déchires tout ça, non, ok. Voilà, merci beaucoup. Je vous aime. Donc voilà, grâce à vous, je vais trouver la femme de ma vie. Et voilà, maintenant, le dernier cas que je vais évoquer avec vous, en fait, c'est que, regardez. Là, par exemple, tu vois, je suis de bonne humeur, tu vois. Je suis là, je suis souriant, tu vois, je fais une vidéo. On peut pas toujours être de bonne humeur. Une fois, il y a un an, par exemple, j'avais croisé un abonné dans le train. Et c'était quand je m'étais embrouillé avec une personne, tu vois. Genre 20 minutes après, je croise un abonné, tu vois. Je vais pas faire la comédie, être là, à parler avec lui, rigoler, tout ça, tu vois. On est des humains, tu vois. Il y a des choses qu'on peut pas faire. On peut pas toujours faire semblant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je dis ça parce que les abonnés, des fois, ils comprennent pas, tu vois. T'arrives et ils disent putain, mais c'est pas le même, etc. En même temps, tu sais, on est des humains, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des moments où il peut se passer ça. Tu fais la gueule, frère? Pourquoi tu fais la gueule? J'ai perdu mon chien. Sérieux? Mais c'est bon, tu vas le retrouver, un chien, c'est vagabond, hein. Il est mort. Ah, il est mort. J'espère que t'as gardé le. Comme ça, je peux en faire un tapis. Ah, c'est une boutade, elle était bonne, ma boutade. C'est drôle. Bah ouais. Oh, il y a Junior TV! Hé! Hey. Oh Junior TV, hey, c'est une dinguerie. J'adore ce que tu fais mon gars. Toutes tes vidéos sur YouTube. Tu vois, hey, j'adore, je te ah, kiffe trop. C'est un truc de ouf. On peut faire une photo s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, vas-y. Vas-y. Hey. Non franchement ça fait trop plaisir. C'est quoi? Non mais t'es drôle en fait, hey. Franchement à chaque fois je rigole de ouf. Non. Fais une blague. Non là je suis pas trop d'humeur là pour faire une blague, tu vois, c'est... T'es pas d'humeur? Non. T'as changé, t'avais l'air plus gentil dans tes vidéos. C'est quoi, je me désabonne? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Hey, je vous ai pas du tout critiqué là. Parce que là, Belek, il y en a. Là, j'ai fait une vidéo pour vous. Donc voilà, 20 000 ou 30 000 likes, tu vois, c'est à vous, tu vois, c'est cadeau. Là, vous pouvez liker à fond là. Donc à quel moment tu likes pas une vidéo qui est à toi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Essayez-moi sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher en description et à la fin de la vidéo. Et dernier truc, pour les gens qui habitent précisément en Lausanne ou à Genève, tu vois, c'est à côté. Le 22 ou 23, il y aura peut-être un meet-up chez vous là. Ok, donc ajoutez-moi sur Snap. Vous allez tout savoir sur tout. Snap ou Twitter, je vous dis tout. C'est parti, mon gars. Four. Whoa. Oh, she said you need to let me go. Whoa, whoa.